Toriki et moi, on voulait le même maître. On voulait faire comme si on était mari et femme. Mais je n'ai pas osé aller vers lui. Et lui non plus. Il n'a pas bougé. Est vendu 270 captifs, dont 136 répartis en 18 lots de 3 à 6 membres. 12 familles de 3 à 4 membres et 88 pièces d'Inde vendues à l'unité. Certains lots ayant plusieurs preneurs et donné la préférence au paiement comptant, que ce soit en marchandises ou en argent. Deux familles ne trouvant pas preneur, elles ont été séparées. Négrite et Négrillon ont été vendues séparément. Pour ceux qu'au contraire on se disputait, ils ont été vendus aux enchères. Et nous avons tiré de chacun d'eux plus que ce qu'on rapportait de nombreux lots. Regardez ces muscles. Voilà un mulet qui sera dur au travail. 180 nous sommes. 200, monsieur, 200. 230 nous sommes. 230, 300. 350. Allons, ne laissez pas passer pareille pièce. 950, oui, monsieur. 1000. 1100, qui dit mieux, personne? 1100, adjugé à monsieur Bonnefond. Nous avons maintenant une perruche exceptionnelle. Et nous allons là aussi commencer les enchères à 150. 180 nous sommes. 220. 250. 280. 300. À 300 nous sommes. 330. Regardez ces seins. Regardez ces seins. Ce ventre qui n'a pas été abîmé par la grossesse. Ses fesses dures et musclées. 350. 350 nous sommes. Nous avons 400 ici. 400 personnes ne couvrent l'enchère. 400 adjugés à monsieur Dessart. Nous avons maintenant une troisième pièce à nouveau exceptionnelle. Très bel achat, mon oncle. Regardez son torse. J'avoue, elle me faisait envie. Regardez ses épaules. Quand nous sommes arrivés à l'habitation, comme ils appellent ici la propriété du maître,
Un prêtre nous a fait un discours pour nous expliquer que nous avions de la chance. Grâce aux Blancs qui nous avaient amenés ici, nous allions entrer dans la communauté de Dieu et nos âmes seraient sauvées. Des dieux, nous en avions, mais il nous a expliqué qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que si nous ne vivions pas dans l'amour de ce Dieu, nous brûlerions en enfer jusqu'à la fin des temps. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos idoles, de toutes vos souillures, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors, vous suivrez mes lois. Vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Avance. Ton nom est Sacriste. Et puis, on nous a donné un nouveau nom. Eulalie. Personne ne nous a demandé notre nom. Tu t'appelles Eusèbe. On a fait comme si nous n'en avions pas. On m'a juste dit, ton nom est Déli. Ton nom est Déli. Et de ce jour, on ne m'a plus jamais appelé autrement. Tu t'appelles Jean-Baptiste. J'ai appris plus tard que Toriki avait été appelé Saint-Jean. Votre parrain ou marraine vous enseignera les usages de l'habitation. Si vous obéissez, si vous faites correctement votre travail, vous serez bien traité. Mais tout acte d'insubordination, toute tentative de rébellion ou toute tentative de fuite seront sévèrement punis selon les dispositions prévues par la loi. L'esclave fera frapper son maître ou la femme de son maître, ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang, sera puni de mort. Et si vous cherchez à vous enfuir, vous serez aussi puni selon la loi. À sa première tentative, l'esclave fugitif sera marqué d'une fleur de lys à l'épaule. À la deuxième, il aura le jarret coupé. Et à la troisième, il sera puni de mort. Le commandeur sonne le réveil au lever du jour. Mais quand le jour est court, on se lève de nuit. Après, c'est la messe, comme ils disent. Une sorte de prière pour leur Dieu. Et après, on part au travail. Nous avons tous un carré. Tu cultives ce que tu veux. Et ce que tu récoltes t'appartient. Tu peux le manger ou le vendre. Mais tu peux venir dans ton carré que le samedi. Samedi jardin, qu'ils appellent ça. Quand tu vends quelque chose, tu gardes l'argent. Il est à toi. Mais il ne faut pas le laisser dans la case. Il y a des nègres malhonnêtes qui volent l'argent. Il y a des femmes qui rachètent leur corps avec leur corps.
Mais des fois, le maître n'est pas ici. Parce qu'il y a sa femme. Mais chez son neveu, c'était comme ça. Il prend une des nouvelles et la met dans son lit. Et des fois, quand la femme sait y faire, il tombe amoureux et lui donne sa liberté. Mais pas toujours, hein. Parce que le neveu du maître, il couche avec toutes les nouvelles, mais jamais leur donne la liberté. Tu peux racheter ton corps. Ça veut dire racheter ta liberté. Et la plupart des nègres qui travaillent dans ce pays de malheur meurt au travail avant d'avoir pu économiser assez. Il faut tellement d'années pour économiser que t'es vieux et plus bon à rien quand tu y arrives. Et tu fais quoi quand tu es libre? Tu traînes dans les rues sans travail, sans rien pour dormir ou manger. Tu en verras des libres quand tu iras en ville. Tu verras des pauvres nègres qui ne sont que des vieilles loques. Et les quelques-uns qui ont réussi à gagner de l'argent, c'est parce qu'ils ont tellement bien servi les Blancs qu'on leur a donné des primes. Mais ils sont devenus Blancs dans leur tête. Pour moi, l'empoisonnement ne fait aucun doute. Il est mourant. Il ne doit avoir été causé que par le poison. Alors, quel poison? Je ne sais pas. Du poison, c'est certain. Nous avons perdu un bœuf aujourd'hui. Avec les animaux de la semaine dernière, cela fait 3 bœufs et 2 mulets. Il y a des empoisonneurs parmi vous. Ces crimes sont punis de mort. Si quelqu'un connaît les coupables, qu'il les dénonce immédiatement ou il sera poursuivi pour complicité. Je vous tiens tous pour responsables. Vous allez devoir me rembourser le prix des bêtes mortes. Pour cela, vous travaillerez le samedi et le dimanche pendant 1 mois. Si vous n'êtes pas content, dénoncez les coupables et je lèverai les sanctions. En attendant, regagnez immédiatement vos cases. Si nous voulons mettre fin aux infâmes activités des empoisonneurs, vous devez, gouverneur, laisser les colons libres des moyens par lesquels ils y parviendront. Je comprends votre inquiétude, monsieur Dessart. Mais je ne peux permettre aux colons d'appliquer des sanctions extrêmes sans qu'il y ait de procédure judiciaire. Surtout pendant que ce jeune juge de métropole... Juston. Adolphe Juston. Surtout pendant que le juge Juston est dans notre île. La cour prévôtale a rendu des dizaines de condamnations et a jugé encore des dizaines d'affaires. Nos prisons sont pleines. Je ne peux pas et ne veux pas faire plus. Sans le respect d'un minimum de procédure, combien de prétendus empoisonneurs seront exécutés sans que la preuve de leur culpabilité soit clairement établie? La preuve est sur le bureau. Le docteur Lapierre était formel. Ce foie est celui d'un animal empoisonné. Les herbes aux racines retrouvées chez les suspects peuvent certes rendre malades.
Mais il serait bien incapable de tuer un homme, et encore moins un bœuf. Mais représentez-vous la perfidie dont ces nègres sont capables. Ce sont les nègres les mieux traités qui empoisonnent. C'est même à se demander si les nègres libres ne sont pas les chefs du complot. Madame Delage a été empoisonnée par sa plus dévouée servante. Monsieur Delanoë a perdu tous ses bœufs, et qui les a empoisonnés? Le nègre à qui il a appris à lire et écrire, et à qui il venait de permettre de racheter son corps. Cécile Tournon, elle a été empoisonnée par celle qui a été sa nourrice, une mulâtresse. Cécile avait 19 ans, monsieur. Oui, 19 ans. Elle était promise au plus bel avenir. Monsieur de Sarre, je vous le répète, la cour prévôtale fait son travail. Certes, c'est long, mais il n'y a pas d'autre moyen. La cour prévôtale ne sert à rien. Vous en faites pourtant partie. À vouloir singer la justice de la métropole, nous n'arriverons jamais à rien. Voyez Marie-Louise, chez Madame Lambert. Elle a fait appel de sa condamnation, a été transportée en France pour être entendue. Et a été soutenue par toutes les vociférations des amis des nègres. Résultat? Elle n'était condamnée qu'à une légère peine de prison. Est-ce ainsi que l'on va assurer la tranquillité de notre île? Non. Il faut terroriser les nègres. Par des jugements rapides, exemplaires, montrant la plus extrême fermeté. Et si dans l'exercice de ces jugements rapides et impitoyables roulent les têtes de quelques innocents, le prix à payer sera bien mince au regard de ses bienfaits. Messieurs. Ruffier. Ah, vous êtes ce jeune magistrat dont tout le monde parle. Adolphe Juston, oui. Auriez-vous quelque temps à m'accorder? Je dois aller voir un malade, mais prenons le temps de bavarder. Docteur, plusieurs choses me laissent sceptique concernant cette affaire d'empoisonnement. Commencez par l'incompétence notoire des médecins. Les signes dans lesquels le docteur Lapierre veut voir la main d'empoisonneur évoquent plutôt pour moi une forme de choléra qui frapperait autant les hommes que les animaux. Il me semble que les colons ont de tels préjugés contre les Noirs qu'ils sont incapables d'imaginer autre chose qu'un plan visant à les détruire tous. La vérité est que depuis l'indépendance de Saint-Domingue, ils ont peur, de plus en plus peur. Les plantations ont cessé d'être agrandies, il a fallu de plus en plus d'esclaves pour leur faire produire toujours plus de sucre. Et aujourd'hui, les esclaves sont en si grand nombre que s'ils venaient à se révolter, l'île pourrait être en un rien de temps mise à feu et à sang. Alors les colons ne dorment plus, et leurs nuits sans sommeil ne font qu'accroître leurs angoisses. Inutile de vous présenter, monsieur Juston. On parle tellement de vous ici que je pensais bien vous voir arriver un jour. Sachez, monsieur de Sarre, que l'on parle aussi beaucoup de vous. Ma femme. Bienvenue. Madame. Les gens de France comme vous se font des idées parce qu'ils ne connaissent rien à la véritable situation dans les colonies. Vous venez d'arriver. Mais quand vous aurez passé quelque temps ici, vous nous comprendrez mieux. Et vous vous convaincrez de la nécessité de conserver l'ordre établi par le maintien de l'esclavage. Il n'y a pas de travailleurs qui veuillent venir de France. Et quand par hasard il y en a un, ils ne résistent pas au climat de cet affreux pays. Seuls les nègres habitués à la chaleur des tropiques peuvent travailler ici. Mais la race de l'homme que nous avons accommodée est infernale et traître. Ce sont de véritables serpents. N'est-ce pas un peu excessif? Les nègres et les gens de couleur n'ont guère en vue qu'une chose, et qui fait frémir. La destruction des Blancs. Pierre. J'espère que nous trouverons à ma fille un bon parti, pour qu'elle puisse contribuer à croître la race des honnêtes gens, tandis que nous travaillerons ici à diminuer celle des scélérats. Et c'est aussi ma mission, monsieur de Sarre. Ce n'est que par les moyens les plus sévères, les exemples les plus marquants. Et en vérité, il faudrait inventer de nouveaux supplices pour faire périr les scélérats. Que nous parviendrons à maintenir notre tranquillité pendant encore quelques années. Pourtant, il me semble que vous n'avez jamais été aussi prospère.
Les colonies ne redeviendront jamais ce qu'elles ont été. Mais si le gouvernement veut la conservation des colonies et les protège un peu plus que par le passé, nous rétablirons notre fortune. Croyez que ce n'est pas rien d'avoir acheté chaque année 10, 15, 20 nègres pour remplacer ceux qui sont morts. Mais ils se donnent la mort avec une facilité déconcertante. Merci. Celui-ci ne vient pas de notre production. Notre café n'a pas donné cette année. Il vient de chez notre voisin. Et à la vérité, je crois qu'il est meilleur que le nôtre. Quand la musique résonne comme ce soir, notre fille peine à s'endormir. Tu devrais peut-être aller la voir. Cette musique peut tourner la tête à des hommes faits. Dieu sait comment elle peut tourner la tête d'une jeune fille d'à peine 13 ans. Vous savez, j'ai plusieurs fois observé leurs fêtes sans être vue. Vous n'avez pas idée du point auquel les mouvements des deux danseurs sont à l'opposé de la pudeur. Voyez le nombre de mulâtres. Presque tous sont les enfants naturels de colons mariés. Ces hommes qui ne serreraient jamais la main d'un nègre n'hésitent pas à étreindre une négresse parfois de force pour satisfaire leurs envies. J'ai appris où se trouvait Toriki en posant des questions aux autres esclaves. Lui faisait la même chose. Il est venu me retrouver plusieurs fois à la nuit. En partant tôt le matin pour être rentré à son habitation, chez le neveu de Dessart, à l'heure du réveil. Ça a duré quelques semaines, mais un jour, après que deux esclaves sont morts de ces soi-disant empoisonnements, Pierre Dessart a interdit que nous puissions recevoir des visites. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de nous enfuir, de partir. Marrant, comme ils disent. Je vous traite tous comme mes enfants. Aussi, j'attends de vous que vous me montriez le respect dû à un père. Et comme un père ne peut tolérer que ses enfants quittent sa maison sans son autorisation, je ne peux tolérer que certains d'entre vous se fassent marrons. Vous connaissez tous les peines encourues en cas de fuite. Le gouvernement nous a demandé de ne plus appliquer les mutilations. Saint-Jean et Delhi n'auront donc pas les oreilles coupées. Mais la justice veut qu'ils reçoivent les châtiments qu'ils méritent.
J'ai été remise au travail le lendemain. Mais pendant 30 jours, j'ai passé mes nuits au cachot. Les chevilles dans le carcan. Avant de m'enfermer, le régisseur frottait mes plaies avec un mélange de citron et de purée de piment. C'était pour éviter l'infection. Mais c'était une véritable torture supplémentaire. Et à ce moment-là, j'aurais préféré être emportée par la gangrène plutôt qu'avoir à subir ça. Toriki, lui, est resté 3 jours au piquet, sans manger ni boire. Après quoi, son maître, le neveu de Pierre Dessa, est venu le rechercher. Toriki ne pouvait même plus marcher. On a dû le mettre dans une carriole. Pierre Dessart n'est pas le pire. Vous savez, il est très dur. Punit cruellement ses esclaves quand ils pensent qu'ils ont commis une faute. Mais il fait venir le médecin quand quelqu'un est malade. Fait garder les enfants par des serviteurs pendant que leurs parents travaillent. Ne fait pas travailler les femmes enceintes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'esclaves enceintes. En un an, il n'y a eu que 2 naissances chez Pierre Dessart. La plupart des femmes préfèrent faire couler leur ventre plutôt que de donner naissance à un enfant esclave. Le pire, c'est Bonnefond, le neveu de Pierre Dessart. Il n'est pas dur, mais cruel. Chez lui, les femmes travaillent jusqu'à ce qu'elles perdent les os. Et recommencent le lendemain dès qu'elles ont accouché. Toriki m'a raconté qu'il n'hésitait pas à fouetter, même les enfants. Et il a battu des esclaves jusqu'à la mort. Maintenant, je dois vous laisser avant que le marché soit fini. Laissez vos ignames. Vous avez assez perdu de temps comme ça. Vous savez, certains esclaves ont appris à lire. Maintenant, ils connaissent les lois. Un maître peut battre ses esclaves, mais il n'a pas le droit de les tuer. Un homme tel que Bonnefond ne mérite que la prison, et pourtant, il continue à sévir. Je n'ai pas pouvoir de police ici. Je ne peux qu'enquêter, mais je vous promets de le faire. Arrête-toi. Vous pouvez visiter ce que vous voulez. Je m'en contrefiche. Je n'ai strictement rien à cacher. Personne n'a rien à cacher. Pourtant, chaque jour, le gouverneur reçoit des lettres pour que je sois expulsé par le prochain bateau.
Par quoi voulez-vous commencer? S'il vous plaît. Non. J'ai toujours été bien traité et bien nourri. Je travaille. Oui. Mais je peux me reposer quand j'en ai besoin. Vous n'avez jamais été frappé. Jamais. D'autres esclaves sont-ils frappés? Non. Avez-vous entendu dire que des esclaves étaient punis du fouet ou du carcan? Non. Vous n'avez jamais entendu dire que des esclaves étaient cruellement punis pour avoir osé répondre à leur maître? Non, jamais. De quoi as-tu peur? Crains-tu d'être battu si tu parles? Tu cherches des preuves de mauvais traitement. Des punitions. Parfois des tortures. Toi et tes amis, vous voulez qu'on en parle? Là-bas, dans ton pays, tu espères soulever le cœur des habitants de ces lointaines contrées? Tu espères qu'ils vont mêler leurs larmes avec celles des pauvres noirs? Dis-moi, l'esclave sera-t-il assis sur un trône d'or? Cela le rendra-t-il moins esclave? Cela le rendra-t-il moins la propriété de notre homme? N'est-ce pas contre cela que tu dois te dresser? Contre le droit d'un homme à posséder un autre homme? Je t'ai déjà trop parlé. J'ai vu un planteur employer un coffre de fer, y enfermer la triste victime de son despotisme et le faire placer assez près du feu pour lui causer une douleur très vive. J'ai appris d'un jeune homme qu'afin de les reconnaître, il avait fait couper les oreilles à 6 esclaves que son père venait de lui donner. J'ai vu une négresse qui avait volé un canard recevoir 50 coups de fouet, être frottée de jus de citron pimenté, être enchaînée en plein air et y rester 15 jours pour expier le crime affreux dont elle s'était rendue coupable. J'ai vu, mais je m'arrête. Je suis là de décrire des atrocités.
où sera en France. Faites très attention à ce que votre servante n'écrive que sous votre surveillance. Ces coquins utilisent toutes les ruses possibles pour faire parvenir ici des textes avec lesquels ils pervertissent les nègres en leur parlant d'égalité et de liberté. Certains vont même jusqu'à faire passer aux colonies des textes exigeant l'abolition de l'esclavage. Tiens, quand on parle du diable, il arrive. Il est heureux qu'on se soit enfin décidé à l'expulser. Voyage. Tu n'as plus rien à craindre. Dès que tu poseras le pied en France, tu seras libre. Libre et servante. Tu vas aller en France. Tu es libre, libre. Tu peux t'occuper d'elle. Quoique votre séjour ait été abrégé, disons. Avez-vous pu finir votre travail, monsieur Justin? Oh. Je crois que quelques mois supplémentaires n'auraient pas apporté d'éléments nouveaux. Ce que j'ai vu est assez. Bien que je ne partage pas ces idées, je remercie votre mari de m'avoir ouvert et sa maison et son cœur. Il a promis de nous rejoindre dans 2 ou 3 ans maximum, mais je n'en crois rien. Et pour moi, je souhaite de ne jamais revenir dans ce pays. J'ai été heureuse, mais je n'en supporte plus le climat. Je croyais que vous partiez pour votre fille. Oh, mon Dieu merci, elle se porte bien. Non, je ne parle pas de la chaleur et de la pluie, mais des idées et des gens. Il n'y en a que pour l'argent. L'argent, toujours l'argent. Tous les moyens sont bons pour accroître sa fortune. Il s'est établi dans cette colonie une épouvantable hiérarchie qui dicte tous les rapports entre les hommes. Ceux qui ont de l'argent méprisent les colons qui n'en ont pas. Les blancs méprisent les noirs et les mulâtres. Les mulâtres jalousent les blancs et méprisent les nègres. Il n'y a guère que ce monsieur Bissette à qui l'on fait un mauvais procès, qui, quoique mulâtre, a défendu les nègres. Et les nègres eux-mêmes n'échappent pas à ce sentiment. Les nègres domestiques méprisent les nègres à talent qui eux-mêmes méprisent les nègres des champs. Ce n'est plus dans la colonie que haine et mépris des uns envers les autres. Sucre brut ou raffiné, café, cacao, indigo, coton, poivre, alcool de canne, madrier d'acajou. Les cales et entrepôts du bienfaisant sont chargés des marchandises qui, outre l'argent liquide, ont servi au paiement comptant des esclaves. Déduction faite des frais de mise hors du bienfaisant, armement, salaire de l'équipage, marchandises de traite, assurance, remise en état du navire. Le bénéfice à attendre de cette campagne de traite est 4 fois plus élevé que ce qu'aurait rapporté tout autre investissement. Chez le neveu de mon maître, on a trouvé les cadavres d'autres animaux. Le maître de Toriki, Bonnefond, l'a accusé d'empoisonnement ainsi que 2 autres esclaves, Euseb et Solitude, qui attendaient un enfant. Ma marraine savait que Bonnefond voulait punir sévèrement Toriki.
parce qu'il a osé parler à ce magistrat qui vient de quitter l'île. Les juges les ont condamnés à mort tous les trois. Mais ils ont attendu que la femme Solitude accouche avant de la faire pendre. J'ai demandé à voir mon maître, Pierre Dessart. J'ai juré que les preuves étaient fabriquées et Toliki innocent. Il a refusé d'intervenir. Plus tard, je l'ai supplié de racheter l'enfant de Solitude. Il a accepté et il l'a affranchi en le baptisant Agricole. Normalement, les esclaves baptisés, et Toliki l'avait été, doivent être enterrés au cimetière. Mais on lui a refusé. Je l'ai cherché longtemps. Je ne l'ai jamais retrouvé.